Hey guys, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans ce nouveau débrief Secret Story, le Prime. Ok, vraiment, je sais que vous attendez les primes depuis très 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 longtemps, les débriefs en général, mais sachez que c'était absolument pas dépendamment de ma volonté. J'ai eu des soucis avec mon ordinateur, j'ai passé des moments difficiles avec ce mec qui est mon ordinateur, ok. Donc ça n'a pas été facile, je pouvais pas travailler, je pouvais rien faire. Je ne peux pas faire les débriefs, je peux me dire que je peux rien faire sans mon ordinateur en gros. Sachez-le aujourd'hui, je ne peux rien faire tant que mon ordinateur ne fonctionne pas bien. Il y a un souci au niveau de la prod, ok? Je vais commencer par remercier toutes les personnes qui commentent régulièrement. Je ne vais pas trop m'attarder sur... voilà, je sais que ça vous gêne un peu. Et moi, j'ai envie d'entrer dans le vif du sujet, en fait. Je n'ai pas le temps à perdre aujourd'hui. I don't have time to waste. Donc, je vais quand même faire un shout-out aux personnes qui ont fait les premiers commentaires parce que c'est important, parce que ça met le baume au cœur, parce que ça encourage, ok, de venir poster un truc et 5 secondes après, tu as 5 commentaires qui s'affichent. Franchement, ça fait du bien, ça met le baume au cœur. Donc, je vais quand même faire une petite dédicace à toutes les personnes qui ont pris la peine de faire les premiers commentaires, ok. Ça va pas mettre long, hein, ça va pas mettre long. Franchement, moi-même, j'ai trop envie qu'on en finisse là. Je suis censée filmer, monter et poster ça aujourd'hui. Donc, si vous voyez ça aujourd'hui, sachez que votre goût s'est surpassé pour vous, pour nous en fait. Lynn Kaku 3831 qui a été la première à commenter. Merci infiniment Lynn Kaku, prends tes cœurs. Elle a écrit first. Ensuite il y a I am Vicky officiel EF7RJ qui a écrit trop belle. Oh merci beaucoup. Ensuite il y a Mimi Combo 2951 qui a écrit première enfin. Mimi, tu es la troisième première, mais ça fait tout aussi plaisir. Et à Sylvie Chiwa 3554 qui a écrit first pour une fois. Bon, tu es parmi les premières, ça c'est clair, mais tu es comme la quatrième première. Je crois que ça passe aussi, c'est très bien. Merci infiniment Sylvie, Lynn, Mimi, Vicky. Merci infiniment pour votre amour. Merci pour vos cœurs. Merci pour vos encouragements. Ok, sans plus tarder, on va y aller tout de suite. Je vais quand même vous laisser un peu de temps pour liker la vidéo parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne likent pas systématiquement la vidéo. Alors, c'est super important. Ok, donc likez. Je vous donne 5 secondes pour liker. Pas beaucoup, 5 secondes. Est-ce que c'est fait? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Are we good? Ok. C'est bon, hein? On va y aller, hein? Les nominés sont Bernica et Cathy Akram. Bernica, Cathy et Akram étaient nominés. Franchement, j'ai été complètement déconnectée quand mon ordinateur m'a dérangé. Là, je ne sais même plus qu'est-ce que j'ai fait, mais je sais seulement que j'ai arrêté de... J'ai arrêté de regarder dans les derniers épisodes. J'ai pas regardé, donc on va regarder tout ça ici ensemble direct. C'est moi qui gagne le chèque, il y a mon nom dessus en fait. Je mérite vraiment d'aller en finale. Ouais. Cathy par contre, oui. Emmanuel, tu remportes ta place en finale. Oui, Emmanuel est déjà en finale. Emmanuel est déjà en finale. Il a trouvé le secret du tapis, le secret de la maison. Parmi tous les secrets, un seul n'a pas encore été révélé, celui d'Emmanuel. Peut-être qu'il a eu un acte. Mais il faut quand même avouer que le continent domine quand même. Hein. Le continent domine. Il y a quelqu'un qui avait dit, je crois que c'était un Canadien, enfin un immigré camerounais au Canada. Bref, un Camerounais qui est parti au Canada. Qui disait que partout où les Camerounais arrivent, ils dominent. Ok, partout où on arrive, on domine. On domine partout où on va. Voilà. Donc... Sachez que plusieurs personnes en cochent pas Emma, que oh, pourquoi on a pris pas Emma comme Camerounais pour représenter le Cameroun, la Secret Story, nanana. Mais le voilà, on n'a pas découvert son secret, premièrement. Deuxièmement, il est en finale, period. Period, ok? Per. Oui, dès que tu as sauvé quelqu'un, tu as sauvé quelqu'un. Hé hé! Donc ça veut dire que Ange est en finale. Hé hey, hé! Donc Ange a fait comme ça, il est en finale. Awa est en finale. Oui, Awa est en finale, Ange est en finale, Maimouna est en finale. Bienvenue dans Secret Story Afrique. A.K.A. la villa des cœurs brisés. Bonsoir, bonsoir public, bonsoir. On est tenté de dire que ce soir, l'amour est dans le sas. Et ça tombe bien, je vous envoie aussi... L'amour L'amour est définitivement dans le sas ce soir. Voilà, à vous et à tout le monde à la maison. Yeah. Bonsoir Fafa. Bonsoir Jean-Michel. Comment ça va? On t'envoie des applaudissements ici. J'aimerais qu'on se connecte avec la maison. En attendant, je te fais des bisous. Bonsoir les habitants de la Maison des Secrets. Bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Soir de demi-finale, bien sûr. Iki le Black Apollo. Mais pourquoi Black Apollo ne s'est pas mis au milieu? Et qui est? Il fallait qu'il se mette au milieu. C'est quand même le coq de la basse-cour. Il fallait qu'il se mette au milieu, frère. Hein?
On dit quoi, Black Apollo? Ça va. Et toi, ça va? Bah, regardez, hein. Wow, ils ne sont plus que 7. Emmanuel, oh my God. Il y a 2 Ivoiriens en finale. Bon, de toutes les façons, on a un Camerounais en finale, ça va. 2 Ivoiriens, bon, ok, ça va. Une Malienne, ça va. Ça me fait du bien, je compte remporter cette finale. Non. Period, 20 millions au continent. Et 20 millions là rentrent au continent. Tu n'avais pas trouvé ça que c'était un d'autre dans la maison. C'était mort pour toi. Tu étais assis sur le banc ici. Est-ce que tu crois? Il y a fort. Est-ce que tu crois? Hey, shut up. Très fière d'être là. Très fière d'être l'une des premières finalistes de Secret Story Afrique. C'est une dinguerie. C'est pas le même mot hein, pour Bernica, Cathy, Akram. On parlera pas de dinguerie. Vous c'est êtes trois, là-bas. Malheureusement, il ne reste là-bas, plus qu'une place en finale. Déçue de partager ce sas avec des personnes de mon clan. Tout ce que je souhaite, c'est que le meilleur gagne et que la volonté de Dieu soit faite ce soir. J'avais pas envie d'affronter ce avec sas. Avec tes deux go. Et devoir le faire encore maintenant, je me dis, oh là là, c'est le sas ultime pour la demi-finale. Je me dis, voilà, la voix est joueuse, pourquoi pas une belle surprise, pourquoi pas annuler même ce sas. Est-ce que vous tous vous restez, right? C'est pas possible, alors je dis tranquillement. Ce qui me stresse dans ce sas, c'est le devoir le partager, surtout avec Akram et tout, parce que c'est mon binôme dans l'aventure. Tu ne parles pas de Nick. Ouais, Nick a dit... Et ça la dérange parce qu'elle partage ça avec les gens de son clan. Cathy dit non, ça la dérange parce qu'elle partage avec Akram, period. Que Dieu fasse ce qui est mieux pour tout le monde, c'est tout. Ok. A été découvert, il s'agit de celui de Maïmouna, rappelez-vous. On regarde. C'est vrai que j'ai été élevée par ma tante et ma vraie mère. Je l'ai côtoyée toute ma vie, mais sans que je sache que c'était ma vraie mère. J'ai eu une enfance très dure. Je perds une clé, je me fais battre. Jusqu'à avoir des cicatrices, jusqu'à arriver au moment où maintenant j'ai été accusée de... Comment une femme qui a la capacité de donner la vie, je vais dire, même si tu ne donnes pas, même si tu n'as pas donné, comment toi, une femme, tu peux maltraiter un enfant, un mineur, un bébé? Les femmes prennent le courage là où en fait, vous prenez ce courage où? Genre, tu as l'enfant de quelqu'un en face de toi et tu le maltraites. Je disais ça à tout le monde que j'essayais de l'assassiner. Un enfant essaie de t'assassiner, right? L'image est divisée en 16 pièces. À chaque bonne réponse, une pièce du puzzle disparaît pour faire place à l'image cachée. Cette image est un précieux indice sur le secret d'Emmanuel. Oh, ok. Quel est le troisième secret à avoir été découvert? Le premier, c'était Angélica. Non, c'était Kitari. Ouais. C'est le secret de Kitari. Mauvaise réponse. Ah, il a raté. C'était Gloire et Grâce. Qui a réalisé le plus beau discours de départ? C'est Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel? Emmanuel? Really? J'ai dit que c'était Kitari. Oh! Ok. Comment écrit-on le mot accueil? Ah, elle avait raté ça. Alors c'est A, 2 C, U, E, I. U, I. Non. U-E-I-L. Oui. Voilà. Réponse en image. Je sais. Quel est le troisième habitant à avoir quitté l'aventure? Marlène. Le premier à partir... C'est Kitari. Réponse en image. C'est Kitari. Ouais, c'est Kitari. Non, Kitari est vite parti comme ça. Manuel. Ok, bah. Qui portait la meilleure tenue lors de la soirée année 2000? Oh, Yann Amir, son Yann show, Amir. Mais c'est quelle question, ça va forcément te dire son show. Image. Yann Amir. Popo, merci. Popo. Les gens ont dit Popo. Regardez bien l'écran. What is this? What is this? Donc la voix veut faire en sorte que personne ne bac avec son secret dans cette maison. La première épreuve des Olympiades. C'était l'épreuve de la cuillère avec la balle. Saut mouton. Ici. Non, c'était pas ça. Oui, c'est vrai, c'était ça. C'était le saut mouton, c'est vrai. La course en sac par relais. Oh. Mais de... Oh. Quelques images de la semaine de la Burkinabé. On regarde et on se connecte. La Burkinabé. Aïe. Aïe. Alors, monsieur et madame. Aux portes de la finale, bah, on se retrouve dans ce sas tous les trois. Nos efforts. Ah, si. Je pardonne vite.
quand j'aime les gens. La voix est généreuse et t'offre une minute pour convaincre les téléspectateurs à voter pour toi. Vas-y, à toi. Bonsoir, mes nini. J'espère que la volonté de Dieu sera faite et j'espère vraiment que je vais rentrer ce soir dans la maison des secrets. D'accord. Bisous. Merci, Bernica. Il s'agit de Maïmouna et Ange. C'est la love story de la semaine. Regardez. Love story à deux balles, là. Love story à deux balles. J'ai appris à te connaître, toi. Je vais dire la vérité, j'ai accroché. Tu es amoureuse d'Ange ? J'ai l'impression. J'ai l'impression. Elle est plus entreprenante et ça s'annonce compliqué parce que je veux éviter au maximum les histoires. C'est ça même. Tu es ouvert au fait. Tu n'as pas ta go à l'est, tu viens par hasard, monsieur Njanjou. Toi, Maïmouna, madame Njanjouette. Tu n'étais pas copine avec son premier crush. C'est abusé là. C'est abusé tout ça. Oui. Ah, c'est toi qui es en couple à l'extérieur. Je suis fatiguée. Hey, pardon, je viens zapper ça. Qu'est-ce que ça va? Franchement, ça va. Il ne faut pas faire sortir la meilleure joueuse de l'aventure à la porte de la finale. Okay. Quel est ton plus grand regret dans toute l'aventure? Si tu pouvais revenir en arrière, tu avais dit que Akram allait faire partie de la question. Je vais garder l'aventure comme ça parce que je pense que, au moins, je suis sûre qu'elle n'a pas été calculée, que c'est comme ça qu'elle devait se passer et on la laisse comme ça. J'ai l'impression que ça ne va pas. Elle est un peu triste. Ça va. Elle est un peu triste. Oui, ça va. Oui, ça va. Place à une nouvelle série de questions. Peux-tu me chanter le refrain de l'hymne de la première saison de Secret Story Afrique? C'est ça. Il ne connaît pas. Secret Story, one family. Ici tout le monde a son secret. Si tu te sens pique, 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 saute et pique à l'air. Voici la réponse en image. Secret Story, one family. Alors, ici tout le monde a son secret. Bonne réponse. Ok. Aïe, what's that? Bernica peut trouver parce qu'elle avait l'intitulé. Donc peut-être que ça peut lui faire revenir l'intitulé là. C'est une voiture. C'est voiture. La voix, comporte-toi. Tu as inventé quoi? Qu'as-tu inventé? C'est un goût. Alors? C'est un truc de remorque. C'est un truc de remorquage. C'est un truc de remorquage. Ça dépendait que de moi. C'est le premier remorquetier. Qu'est-ce que Cathy a remporté lors du jeu de la roue de la semaine dernière? Un buzz gratuit. Un buzz gratuit. Ah, elle a remporté un buzz gratuit. Ça ne compte pas parce que Cathy lui a donné la réponse. Et qui est... Mais Cathy lui souffle la réponse et c'est validé. Bonne réponse. Et puis un indice très mystérieux qui peut tout changer ce soir. Les habitants vont-ils découvrir enfin le secret d'Emmanuel? L'indice là ne va rien leur donner. Rien du tout. Rien du tout. Sauf si Bernica arrive à se souvenir à qu'elle avait eu pendant son brainstorming. Mais à part ça, là, je ne suis pas sûr. Ils ne sont même pas sur la piste. Il est le seul à avoir encore son secret. Et il est le premier habitant à avoir remporté sa place en finale. Bravo encore, Manu. Il y a tout de même une mission qu'Emmanuel n'a pas réussi, celle de retrouver la clé. Cette semaine, je veux la clé. Réfléchis comme un crâne. On attache ses pieds, on attache ses mains. On ne le fera pas, mais on l'attache. C'est ça même. Tant qu'il ne nous dit pas, on n'arrête pas. La voix va vous laisser. Viens au filet là-bas, là. Où tu as mis la clé? L'enfanté. Si Akram quitte l'aventure ce soir, sa cagnotte tombera à zéro. La voix donc décide de doubler la cagnotte pour celle ou celui qui mettra la main sur cette clé. D'accord, ok. Regardez bien l'écran. Ok, d'accord. Voici le coffre. C'est bon, it's fait. La personne qui trouve la clé double sa cagnotte. Mais c'est pas trop intéressant. Mais Akram a d'abord combien en fait à la base? Le plus riche de la maison, c'est Awa, avec une cagnotte de 5 millions quand même. 850. Cathy, zéro. Oukou, Cathy, ouais, c'est quelle chute de charisme ça? C'est quelle chute de charisme ça, Makota? 0 francs, toute une Cathy. Oh. Son Bernica, Maïmouna et Cathy avec 50 000 francs CFA pour Bernica. Et voilà. Rien du tout pour Maïmouna et Cathy. J'en ai marre, on envoie des pics à Cathy parce qu'au fond, c'est pas de sa faute à elle, c'est purement de ma faute à moi. C'est moi qui n'ai pas su faire les choses comme il le fallait. Tu es un Janju, c'est tout. Je trouve la force de me pardonner. Tu sais ce que ça va? Alors franchement, c'est ça c'est l'équité. Donc franchement, en demi-finale, je me dis oh là là. Bonsoir à nouveau à toute l'Afrique. Bonsoir, franchement, soutenez-moi, donnez-moi beaucoup de force. Oh. Franchement, j'ai été moi-même dans l'aventure. J'ai essayé d'être authentique. Le chef Janju.
Non, non, je blague. Je connais Cathy, elle m'a parlé de beaucoup de choses, parlé de sa vie et je connais la femme qu'elle est vraiment et je pense que j'aurais clairement dû mettre plus de limites. Mais oui, surtout que d'entrée de jeu, elle t'a dit que tu étais son combat. Elle t'a dit ça. Je pense pas que tu as été trop là pour elle. Ouais, ouais. Trop. Ouais, je pense que j'ai peut-être été un peu trop là pour elle. Si tu avais la possibilité de faire revenir Véronica ou Cathy, tu choisirais qui? Alors, Véronica ou Cathy? Donc j'ai vraiment envie de crier encore Joker. De crier on se connaît. Ouais, donc, Joker, vas-y, fais ton choix. Faire mon choix. On ne va pas te juger, personne n'est ici pour te juger. Faire mon choix, alors je choisirai Véronica cette fois-ci. Ok. Ouais, je la pousserai plus loin. D'accord. Ouais, je la pousserai plus loin dans l'aventure. Ok. Tu peux rejoindre les habitants de la maison des secrets. Monsieur Joker. Vos anciens colocataires ont laissé des messages à certains d'entre vous. Ok. Véronica, tu as dit d'être retrouvée dans le sas avec ton mec à cause de nous. Alors si je ne me trompe, tu t'es retrouvée dans le sas par ta propre bêtise et par tes propres moyens. Comment te sens-tu d'avoir trahi les seules personnes? Ça n'a aucun sens en fait, Tracy. Tu devais faire ça le jour même. Mais le jour là, tu t'es en mode oh Nini, elle est revenue. Pourquoi tu ne lui as pas demandé ça? Pourtant, tu as vu les images. Tu as vu les images où elle était en train de dire que vous l'avez nominée avec son gars. Pourquoi c'est ici là que tu viens lui demander ça? Qui te faisait confiance et qui était réellement vrai avec toi dans la maison des secrets? Please. Ça n'a aucun sens. Okay. Alors Tracy, j'ai pas vraiment trahi, j'ai plutôt joué le jeu. Vous m'avez toujours reproché de ne pas jouer le jeu. J'ai profité de cette occasion-là pour jouer, ça n'a absolument rien à voir avec de la trahison. Voilà. Ben, tu es sortie. Sinon, dedans, là, c'est de ça, on parle à l'intérieur ici. Ah, quand? Le jour là, vous n'avez pas parlé de ça, que ce soit Awa, que ce soit Tracy. Le jour là, vous étiez en mode on. Pourtant, vous avez bien vu où elle était en train de dire que c'est la vengeance des rouges. Quand elle dit les seules personnes qui ont été vraies, excuse-moi, mais je pense qu'au fond de toi, tu dois savoir que ça, ce n'est pas vrai du tout. Oui, mais Satan a posé la question. Je vais répondre par rapport à ça. Parce que j'ai pas besoin de me justifier auprès de Tracy, tu vois. En tout cas, tu as été une maîtresse des nominations très, très efficace. Nice girl. Nice girl. C'est mon chien. Nice. Emmanuel, mon ami, mon gars, félicitations déjà pour la finale. Toujours avec les mêmes habits, vous ne vous fatiguez pas. Il y a même quoi? Même coiffure, même habits, vous ne vous fatiguez pas. Akram, le grand défenseur des... Le bonbon gabonais. Le bonbon gabonais. Une virus en particulier. Difficile de faire la morale à qui que ce soit quand son jeu a été démasqué, quand on s'est fait prendre à son propre piège. Quel niveau un peu barbare à ça? Quel niveau les balles? Ça m'a vraiment permis d'être honnête, d'être qui je suis. Et de vraiment montrer à tout le monde la personne que je suis. Que tu aimes deux femmes. J'ai été honnête avec les personnes que j'aime dans cette histoire. Je leur ai dit tout ce que j'avais à leur dire. Que tu les aimes toutes les deux. C'est très très vrai. Et ça, c'est plus une fierté pour moi-même, Amir, franchement. Angé, tout va bien, mon frère de cœur. J'ai une question à te poser. C'est quoi? Tu en mets devant toi. Périche, Maïmouna, Malène. Tu choisirais plus la go qui est à l'extérieur là. Comment tu as oublié? Qui? Vas-y, réponds brièvement. Réponds! Tu as dit qui? Jam Jouf! Non, bébé, mon frère! C'est difficile. C'est difficile. Difficile, mais je pense que je dirais Maïmouna. Je pense que je dirais Maïmouna. Ah. C'est pas parce qu'elle est là. Hein. Maïmouna, c'est une femme patiente. Voilà, les autres personnes ont sauté con. Tu fais un poème pour Marlène. Tu sais que ton crush pour Marlène. Est-ce que c'est un jeu que tu joues? Est-ce que c'est de l'amitié? Merci. Réponds à la question. Je sais que c'est assez perplexe pour toi parce que tu sais pas quel genre de relation j'avais avec Marlène déjà. Si c'est par rapport à Marlène, t'inquiète pas parce qu'on en avait déjà parlé. Si c'est par rapport à Ange, on en a parlé aussi, on est bien alignés. De réchauffer les lieux ou pas, je pense que ça c'est mes affaires, ça regarde vraiment pas quelqu'un. Pardon. Si la voix n'avait pas révélé les images de ton rapprochement avec Cathy, est-ce que tu l'aurais quand même avoué la vérité? Dis-nous. Je pense que par respect pour les deux, je n'aurais rien dit dans la maison. Si j'étais sortie, voilà, j'aurais clairement avoué à Nika, vraiment, j'ai eu aussi des sentiments et que voilà, j'aurais vraiment dû lui dire pour totalement être honnête avec elle. Tu as eu des sentiments et les sentiments sont partis, ça s'est évaporé. Entre Nika et Cathy, avec qui te vois-tu en finale? Si tu devais faire un seul choix entre les deux. Je pense que j'y avais déjà répondu, j'ai dit Bernica. On en a parlé. Le Béninois semble parfaitement maîtriser la langue de Molière. Hein. Pas étonnant qu'il ait réussi à conquérir les cœurs de
Cathy et Bernica à la fois. Mon poème s'appelle Ovi. Ovi est le mot fond pour dire jumeau. Je vais aussi parler de ma et de mots. Non-vi, enfant, veut dire mes frères. Fier je suis, mes frères, d'être votre non-vi. Béninois je suis, je viens d'un pays de gloire. Béninois je suis, mes ancêtres me remplissent de grâce. Triste j'ai été, Seigneur, quand mes frères tu m'ôtas. Béni je suis, car Seigneur, tu me dis mon fils, tu m'as. Il et elle, oh, devant nous, se sont opposés, mais coup sûr se sont compris. Telle est la dualité. Oh, vie, mes frères, oh, que vous me manquez. Oh. C'est comme Apollon. Accra. J'aimerais que l'on reparle d'une activité que les habitants ont réalisée cette semaine. Il s'agit de l'activité livraison. La seule chose que je puis vous dire, c'est qu'ils ne sont pas du tout des experts du roller. On regarde. L'objectif est de transporter vos boissons sans en renverser. Top, c'est parti. Allez, putain. Ça n'avance plus. C'est randonné. Elle part avec le bâton. Pourquoi à cramer avec Cathy? Allez, on se... T'es clairement pas pour Cathy. Franchement, c'est cool. Le prix du meilleur leader est décerné à Accra. Dans quelques instants, nous découvrirons qui de Bernica. Aujourd'hui, là, je vais pas être, ça va être dans ton suspense là. Je ne suis pas là au final. Ouais, c'est colocataire. Dis-nous qui va partir. Attendez, attendez, j'ai pas entendu. Maman, j'ai tellement fast-forwardé que. Et... Cathy! Yes! Je suis en vie! Cathy, c'est une star, s'il vous plaît. C'est pas votre égal. Ouais, accroche-moi. Et Samy, capable. Oh, accroche-moi. Franchement, moi, je voyais accroche-moi en finale. Ouais, accroche-moi. Jusqu'à la fin. It was nice. Jusqu'au fin. Ouais, accroche-moi. Mais ça va, vous partez ensemble. C'est bien, non? C'est top. Ça va. Si accroche-moi restait, ça allait être difficile. Il allait être éloigné de Nika et tout. Il part avec sa go. Il est content. Allez, fais votre love story. C'est la fin d'une aventure et le début d'une autre. Qui? The couple. Love that. Love that. The couple. Je suis contente que... Parce que accroche-toi avec toi. Je suis contente d'être éliminée. C'est bizarre, mais je sais pas. Parce qu'il avait toi. Parce que je suis en phase avec moi. Si accroche-toi restait, tu n'allais pas être contente. Maintenant, Cathy, ouh, la solitude va te gérer là-bas, ma chérie. Ouh. Ça veut dire que finalement, les bleus ont gagné. Fin des fins, les bleus ont gagné. Parce que Cathy est la seule des rouges qui reste. Les trois autres là, ce sont les bleus. Emmanuel, bon, c'est vrai que par moment, il était avec les rouges, mais il n'avait jamais vraiment déclaré être dans un camp ou dans un autre. Donc, Cathy est la seule. La seule Cathy, est-ce que tu m'entends? Comment tu te sens? Je suis très, très heureuse. Je suis très contente qu'on ait encore confiance en moi, à mon jeu, à ma personne, à tout ce qui s'ensuit, malgré tout ce que j'ai eu comme scandale cette semaine. J'espère que je passerai une bonne semaine et je ne vais pas les décevoir, Inch'Allah. T'as pas un tout petit peu mal, quelque part? J'ai mal, mais je n'ose pas dire que j'ai mal parce que il y a le public qui a eu confiance en moi. Je ne peux pas leur dire que j'ai mal. Mais tu as déjà dit. Mon binôme est parti quand même. Ça partir, fait mal, mais je suis là. Ça va, on est en finale. L'objectif, c'est d'être en finale. On mérite tous cette victoire, mais bon, la victoire sera que pour une seule personne et chacun va militer pour soi. Merci quand même, merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur. Tu es la star que tu penses être. Les images de la dernière soirée des nommés, c'était une soirée retour en enfance. À briser le temps, la voix vous a préparé une soirée retour en enfance. Allez devoir deviner quelle personne se cache derrière chaque photo. C'est moi, vous n'allez jamais voir les photos. Il y en a mis. C'est le même truc. C'est pas mon lapin qui est là. Trop mimi. Emmanuel. Oh, bon bébé. Madame, la voix. Oh, Mimi des Mimi. En tout cas, ce qui reste clair, la voix Nini, tout le monde sait, c'est pour Cathy Nini. Le gars, ça bouge. Tu vois les enfants comme ça, moi je mange les joues. Yeah. Ça, c'est ça. C'est très joli. Elle a les mêmes yeux. Elle a les mêmes yeux. Accra. Bien sûr que c'est moi. Awa. Awa. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. C'est 10 ans ce soir. Accompagné.
Kirikou. Bonne réponse. Oh. Merci la voix. C'était cool dans le jeu, que de bons souvenirs. Yeah. J'avoue que c'est un jeu pas évident. Est-ce que vous à la maison vous auriez facilement reconnu les habitants enfants? N'hésitez pas à réagir sur l'hashtag Secret Story Afrique. Pendant ce temps-là, il nous rejoint. Nous accueillons avec de très belles ovations Bernica et Akram. Monsieur et madame. Le public vous a bien accueilli. Hein. Ça va? Vous êtes content de les voir? Bah oui. Je suis en phase avec moi-même. C'est la fin d'une belle aventure, mais je suis sûre que c'est le début d'une encore plus belle. Donc voilà, j'ai hâte de retourner chez moi, j'ai hâte de voir ma famille. Forcément déçu. Ouais, parce que la finale, vrai. Sortir juste aux portes comme ça, c'est triste. La fin d'une aventure, mais le début d'une autre. Le début d'une autre, vous parlez de... Ouais, c'est forcément d'une très belle aventure. Une de... Right. De vous deux, c'est ça? Vous avez des projets déjà ensemble? Forcément. Okay. Et cette fois-ci, ce sera, je pense, honnêteté et essayer de toujours faire les choses de la bonne manière. Transparence, s'il vous plaît. Honnêteté et transparence. Alors, c'est cool, en tout cas, c'est très beau à voir. Tout ce que j'ai fait dans cette aventure, c'est avec le cœur. J'ai toujours tout fait avec le cœur. Je suis guidée par mon intuition. J'aurais vraiment voulu aller plus loin, aller en finale et tout. Et cette fois-ci, ça va. Parce que l'amour et le jeu, ça fait bon ménage. En fait, dans le jeu, il faut juste rester concentré. Je pense que c'est la meilleure des choses. C'est la leçon qu'il faut aussi retenir. Qui souhaites-tu voir gagner saison de cette soirée? C'est Ange Kofi. D'accord. Connaissant son histoire et ce qu'on a pu partager, d'accord, je sais qu'il mérite vraiment de gagner. Ah, c'est Cathy. Akram, quel est ton avis sur celui qui devrait remporter cette première saison de Secret Story Afrique? Cathy, remporte-moi cette victoire. Voilà. C'est ce que j'ai envie de lui dire. C'est l'énergie que je lui envoie. D'accord, merci tous les deux. Vous êtes mignons, franchement. Merci beaucoup. Belle couleur. Et puis, on espère que cette histoire... Bon, enfin, on va prendre des nouvelles bientôt, dans quelques mois. Allez, au revoir, campagne. Au revoir. Oh, wow. Ils sont beaux. Ils sont beaux ensemble. Ça va, si bien. Merci à toi, JM, pour une belle émission. Et merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. J'espère qu'on a passé un bon moment ensemble. N'oubliez pas de liker, de commenter plusieurs fois, de partager plusieurs fois, ok? Et de me donner vos impressions. Le débrief continue dans les commentaires. You know what time it is. Donc, je vous attends dans les commentaires. Saturez les commentaires. Et je vous dis à très, 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 très vite pour la suite. Bye! Taguez-moi sur Instagram. Ok, let's go.